Death Run level démon les gars, donc il est archi compliqué. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Non, j'avais réussi. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le OnePlus 6T. Et bien, tout simplement parce que c'est tout simplement le meilleur téléphone pour jouer aux jeux vidéo, parce qu'il a 10 Go de RAM, il a une très grande batterie, il se recharge très vite. Moi j'en suis très content, tout simplement parce que je bosse beaucoup dessus, et comme il tient hyper longtemps et il se recharge très vite, bah je suis content parce que j'en avais marre de voir changer de téléphone en permanence. Du coup les gars, le principe de la vidéo est très simple, je vais tout simplement faire mes maps pro, vous savez qu'ils vous ont bien fait galérer, je sais que dans les commentaires vous m'avez dit que c'était difficile, etc. Et ben, je vais le faire sur mobile, donc je vais galérer de ouf. Je pense que ça va être l'occasion pour vous de vous moquer, parce que contre les bots, je pense qu'ils vont me tuer, hein. Oh, j'ai pas lancé la map, quel connard. Ah si, c'est bon, j'ai lancé la map, je suis le boss en fait. Ne pas oublier de lancer la map les gars. Ok, on pose un escalier, on va pas forcément faire le move parfait parce que j'avoue que ça va être un peu compliqué, sinon on va tenter de faire un saut, tirer et poser un floor, c'est déjà pas mal. Aïe, ok, j'ai raté, mayday. Yes, super, je suis mort. Non, c'est bon, je suis pas mort, le boss. Oh là là, ça va être technique, hein. Rappelez-vous, après il y a un chemin, il y a un moment, où on est entouré de bots. Si je survis les gars. Ok non super, je suis impossible que je survive avec hein. Ok. Yes. Je crois qu'on est pas prêt pour les compétitions sur mobile hein. C'est pas l'épreuve que je redoute en plus hein. Enfin celle-là elle est très très dure cette épreuve hein. On va pas se mentir, la première épreuve est en réalité la plus dure. Mais là je la fais pas. Oula. Oh là 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 là, il me défonce mec. No way je fais la suite hein bro. On tente le saut. Saut, tir, shield. En plus c'est pas trop mal ce que je fais mais c'est pas assez rapide tu vois. Ok, y'a de l'idée. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir survivre au chemin où il y a tous les bots? A mon avis je survis jamais de ma vie mais tranquille. Donc on fera les différentes maps les gars, on fera aussi le death run. Donc clairement, enfin on fera un petit bout hein, parce que si je fais toute la map à mon avis on n'est pas couché. Ok nice, je suis boss. Il est où? Il est là. C'est pas mal, c'est pas mal. En vrai c'est pas mal. Y'a du style. Toujours pas, hein. Je suis archi rincé. On prend le niveau 1, ouais. Donc le niveau facile, hein. Normalement, enfin facile. Normalement le niveau difficile, mais pas hardcore. Mais là, à mon avis, ça va être hardcore. Hein. Oh, oh putain, sa mère. Mais gros, jamais je survis à ça. Hein. Yata. Alors oui. J'ai pris un checkpoint ou pas là? Je crois que mon checkpoint n'a pas spawn. Parce que des fois il y a les bugs en mode créative. Si c'est bon, il y a le checkpoint. Il y a le checkpoint. Oula, waouh. Attends, on va prendre de l'acier clairement. Comment les mecs sur mobile ils font pour être aussi forts? C'est faisable mais c'est dur. Ce move là sur mobile, il est vraiment pas évident. Hein. Alors oui, on va. Je pense que c'est. Comme j'ai dit, si tu maîtrises ça, les mecs peuvent plus te tuer, c'est impossible. Heureusement que les bots sont cool hein. Heureusement que c'est mes potes. Alors on va voir. Tac tac tac. God. Et regardez bien. Si vous regardez bien. Oulala. Mes boutons et tout, mes beans. C'est pas forcément les beans de base. Mes beans sont stylés en vrai pour le truc. Mais je suis pas assez habitué. Aïe. Ok, je suis passé. C'était compliqué hein. Ok, l'élite maintenant. Hop, ça va trop vite. Ok, mettez au ralenti les gars si vous n'arrivez pas à suivre. Oh, en vrai ça va, je suis pas si lent. Vous êtes vraiment les boss hein. Je sais que parmi vous, il y a clairement des mecs qui m'éclatent sur mobile, largement. Mais, enfin, quand je joue sur mobile. Quand je joue sur PC, je pense que c'est moins facile parce que on a quand même l'avantage d'être sur PC, c'est quand même un peu facile. Tac. Mais c'est ouf que ce soit le même jeu, ça c'est vraiment incroyable. Ok. Tac, tac, hop, ça enchaîne, boum, edit down, boum, shotgun, boum, hop, 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 ça va, on n'est pas si mal. Ok les gars, bah je pense que du coup pour la première map, à mon avis, on devrait avoir fait le tour. Donc je pense qu'on va passer à la deuxième map, je pense que je peux dire que je l'ai réussi avec brio cette map. Mais en vrai c'est très difficile hein. En vrai c'est typiquement c'est une map d'entraînement, hein. C'est une map d'entraînement pour des techniques pro. Et clairement bah là on comprend bien que il faut l'entraînement hein. C'est le principe je crois. La map est très stylée hein. Si vous la connaissez pas les gars je vous la mettrai en description. Cette map est très 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 importante si vous voulez progresser. Si vous maîtrisez cette map vous aurez déjà quasiment 2/3 des techniques nécessaires pour pouvoir bien détruire tout le monde. Ok, ici la deuxième map, les gars. Je pense que vous êtes bien foutu de ma gueule parce que les bots m'ont éclaté la gueule. J'ai été clairement rincé, hein. Les bots étaient beaucoup trop forts.
Là, voyons voir la technique du coup ici de sniper un petit peu le haut de la pente. Alors ça marche parfaitement sur mobile, hein, c'est nickel. Ok, donc ça déjà on s'en sort déjà beaucoup mieux. Donc ça c'est vraiment une technique très importante à haut niveau, puisque ça vous permet de bloquer votre adversaire. Et entraînez-vous à le faire sur mobile, parce que si vous savez faire ça sur mobile, pareil, le mec, quand vous allez le bloquer, croyez-moi, il va pleurer ses grands morts, hein. Je vous respecte les gars qui jouent sur mobile, parce qu'en vrai le jeu est hyper adapté. En vrai je pense vraiment que Fortnite Mobile c'est sûrement le meilleur jeu mobile en réalité. Mais ça demande un peu d'entraînement quand même, hein. Un peu plus que ce que j'en ai pour l'instant. Voyons voir. Hop, on va monter, on va poser ici, donc ça passe bien. Cette map là qui est un peu plus facile entre guillemets, dans le sens où bah y a pas les bots pour me laver le cul quoi, donc c'est déjà un petit peu plus aisé. Donc là il faut sauter et le poser, yes, ça passe bien. Bon, pour l'instant je suis boss. Parfait. Ok, alors on va essayer du coup ce côté là, donc le côté un peu plus difficile, donc le côté où il va falloir poser tous les sols, tous les machins. Voyons voir. Tac tac, on en pose deux. Donc là c'est plus difficile, là faut poser double floor. Poser le mur derrière. Poser le mur ici. Ce mur là qui n'est pas censé être là, mais je l'ai dit, je suis le boss en fait. Et là on pose le chapeau. Bon, je suis monté d'un étage de trop, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On pardonne. Tac, nickel. Ok, on la refait. Voyons voir. Tac tac. Tac tac. Derrière, comme ça, ok. Et on voit, et là, le chapeau. Mais c'est beau ça, c'est parfait. Ok, bah nickel, je pense que cette map, on peut dire qu'on l'a fait plutôt facilement. Passons maintenant au Death Run, donc je pense que Death Run, c'est le moment que vous attendiez tous pour vous foutre de ma gueule, parce qu'à mon avis, c'est clairement le plus dur de tous. Donc on va essayer de passer l'étape 1 déjà. C'est très difficile à survivre aux bots sur mobile, parce que les bots ont quand même un gros chou de sa mère. Bon, comme quoi, t'as beau avoir le meilleur téléphone du monde, si t'as pas le skill, c'est quand même un peu plus difficile. Ok, nickel, donc là maintenant le Death Run démon les gars, donc pour la fin du défi, donc le défi de faire les maps sur mobile, donc clairement le défi le plus chaud ever je pense, puisque là pour le coup c'est vraiment difficile, donc on est parti, vas-y, je vais essayer de run la map, hop, on passe, on saute, on a encore un vulnérable, c'est ok, hop, alors là faut qu'on essaie de bait le piège. Avec les pieds glacés. Oh là, ça va être chaud! C'est le Death Run level démon, les gars, donc il est archi compliqué. Ok, go. C'est maintenant. Non! J'avais réussi! Putain! Ah, oh, je suis deg! Ok, il y a j'ai ici. Hop. Fou craquage. J'abandonne pas tant que je passe pas ce piège, mec. Je dormirai pas s'il faut. Et j'avais pas lancé la map, les gars. Je suis débile. J'avais pas lancé la map et donc du coup, forcément, bah là, c'est plus facile. Donc là, maintenant que j'ai lancé la map, je peux plus perdre, en fait, genre. Je crois que c'est ça, hein. Du coup, j'ai pioché le mur comme un bolos, mais c'est pas grave. Ok, go. Allez, boum, et voilà, quand je lance la map, ça marche plus vite direct. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, alors attends, je sais pas, je me foire, là. Ok, c'est bon, les gars, je peux dormir, du coup. Je me dis, je dormirai pas tant que j'avais pas réussi, j'ai réussi, c'est good. Alors, oh, le triple trap, jamais je le passe, gros. Tentons, mais... Ok. J'ai pris de l'élan pour sauter, j'aurais pas dû. Aïe. Bon, ok, on va s'arrêter là, les gars. Je vais craquer là. Ok, bah ce défi, les gars, qui était de tester mes maps sur le OnePlus 6T était très sympa, mais très rageant. Le Death Run, je pense que je ne supporterais pas le faire en entier sur mobile. Hein. Je pense que je craquerais avant. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, les gars, en ma compagnie. Merci d'avoir suivi. Merci à OnePlus 6T pour m'avoir proposé de jouer dessus. Et c'est mon téléphone de tous les jours. Et clairement, j'en suis très content. Donc n'hésitez pas. Je vous mets en tout cas dans la description si vous le voulez. Et à bientôt, les potes, pour d'autres vidéo, ciao ciao, et c'était un petit défi un petit peu tiltant, mais bon, c'était cool, ciao.